Salut la team, c'est Tony, bienvenue sur CNPlay. Aujourd'hui, on ne joue pas à Kingdom Hearts. Enfin, en tout cas, moi, j'y joue sur mon côté pour vous faire les long play sur l'autre chaîne. Mais je vous fais une vidéo de Psycho Shooting Stars Bravo, qui est donc la suite de Alpha, puisqu'il y a eu Alpha en janvier, Bravo en février. Et Psycho, c'est un petit peu pour les fans de shmup, une entité comme les caves, par exemple. Pour prendre un exemple comme ça. Donc, c'est sur Nintendo Switch, ici en l'occurrence, que l'on va se retrouver. D'ailleurs, c'est sur Nintendo Switch que vous retrouvez le titre avec un super coffret. Moi, évidemment, ici, c'est une version test en code. Donc, je n'ai pas le coffret, mais tous les fans, et je pense à Arnaud Degrave du site Console Fan, ami et collègue du jeu vidéo, est un malade de shmup. Mais quand on dit malade, c'est une passion de fou furieux. Pour ça qu'il est tellement fan de la Saturn. Et son catalogue japonais extraordinaire, surtout à ce niveau, et de la 360, et son catalogue japonais aussi étonnamment, aussi extraordinaire de jeux qu'on n'a jamais eu chez nous. Et ici, c'est une compilation de jeux différents. Donc, vous avez ici Samurai Aces, alors évidemment, toujours pour fort Nintendo Switch, mais Tengai, Samurai Aces 3, Gunbird, Gunbird 2, Barrick. Et c'est une compilation qui est relativement vendue cher par rapport au contenu qu'il a, puisque vous allez voir qu'il n'y a aucune refonte ou amélioration quelconque. On va dire que c'est de l'émulation pure dedans, du copier-coller des épisodes originaux. Et c'est assez dommage, mais voilà, si vous devez acheter ce titre, évitez le dématérialisé, c'est clair, puisque c'est pas dans le dématérialisé que vous allez être content au prix même de la version boîte, qui elle offre quand même un beau coffret collector, peu importe la version. Alors, on va regarder un petit peu par exemple Gunbird. Et vous montrer comment fonctionne l'interface. Et vous le voyez, c'est. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et si on fait play, bah vous avez quand même des possibilités voilà, de settings quelconques. Vous voyez, bon, ça, évidemment, ici, sur écran normal, ma foi, non. Sur tablette, évidemment, si vous désirez choisir un sens. Vous savez, vu que vous avez une tablette, c'est un peu logique. Alors évidemment, en système d'affichage, vous pouvez avoir le système CRT, le filtre à l'ancienne. Vous ne pouvez ne pas avoir de wallpaper ou avoir en spécial, voilà. Rien de très 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 grisant. Au niveau des languages, ben voilà, c'est English Japanese, vous avez droit aux deux versions. Extra Filer Score, Crédit, vous pouvez choisir. Voilà, hop, le nombre de combattants par crédit. Des choses tout à fait simple. Donc c'est pas donc game setting would like to change. Yes. Alors vous savez à quel point j'aime cette console. Non, je rigole. Donc en fait non, mais c'est parce qu'en fait manette en main ici avec la manette, je me dis mais c'est vrai qu'ils ont quand même été forts dans la manette Xbox, mais je n'aime pas le placement du A. Moi vous savez, pour moi la meilleure manette de tous les temps, puisque la meilleure console de tous les temps à mes yeux, c'est la GameCube ou le GameCube. On va pas recommencer le débat. Et ce que je trouve dommage, c'est que depuis, après, ben, à partir de la Wii, sur les manettes contrôleurs Pro, etc., classiques et compagnie, le A s'est trouvé à droite. Comme sur Super NES, évidemment. Mais moi, j'aimais le parti pris précédent 64 et surtout GameCube avec le gros A au milieu, touche à tout faire, très facile, très agréable. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi un défaut de gameplay. Pour jouer, c'est moins agréable d'avoir le A là, puisque pour moi le A, j'aimerais qu'il soit à la place du B ou qu'il soit plus gros. C'est pour ça que je dis toujours, jouer à Smash Bros ou quoi que ce soit, sortez bien la manette GameCube et voilà. Mais c'est vrai que étant à la base, j'étais un énorme fan de Nintendo et c'est même peu dire, c'était ma religion Nintendo et je reste encore, comme je le dis, persuadé que les licences qu'il y avait sur GameCube, elles nous manquent parce qu'elles étaient uniques. Star Fox Adventure, Eternal Darkness et tout ce que vous voulez. Enfin, on pourrait faire une liste pendant quand même quelques minutes et en parler, peut-être ce serait même un objet de débat intéressant. Mais Nintendo, à partir de là, oui, m'a perdu la réalisation. Voilà, on voit bien ici avec la Switch, je crois qu'avec la nouvelle mise à jour Witcher 3, ça commence à devenir acceptable, mais on est quand même déjà loin des versions base PS4, Xbox One, et l'écart va encore se creuser avec la nouvelle génération. Donc certes, on pourrait dire c'est une nomade, etc., mais c'est vendu relativement cher encore. Et Nintendo n'est pas du genre à baisser souvent ses prix, surtout quand le succès est au rendez-vous, parce que ça se vend par camion. Et c'est vrai que voilà. Ici, c'est une console que Nintendo fait vivre avec des titres excellents. Même si je disais, comme je dis, j'aimerais voir des licences qu'on voit sur GameCube, du Star Fox Adventure 2, même HD s'il le faut, blablabla. Enfin, retrouver des licences que j'ai aimées.
et même du passé encore, parce qu'on pourrait quand même compter énormément les licences de Nintendo. Il n'y a plus de F-Zero depuis l'extraordinaire GX AX, donc GX au GameCube et AX en arcade. Mais je trouve dommage que par exemple les éditeurs ils portent un petit peu tout, voilà, du Saints Row 3, du Saints Row 4, du Witcher qui a déjà quelques années, ça semble encore sur cette génération aussi, mais on porte des jeux de la précédente gen, des fois inférieurs. Le eShop pour moi est vraiment la poubelle des éditeurs. Là. Ils en ont fait la console poubelle des éditeurs, cette console, dans le sens où on y retrouve eh bien, tout dans l'eShop et n'importe quoi, et souvent de manière mal optimisée, mal foutue, mal réalisée, inférieure. Et à des prix supérieurs à la concurrence, parce que ça coûte plus cher de jouer sur Switch. C'est dommage. Ben par contre, là où je suis complètement d'accord avec eux, c'est d'avoir repris le format cartouche, bien qu'il était temps qu'il passe un format supérieur, parce que les trois quarts, ben, vous aviez un jeu sur deux dedans, le code à côté. Parce que pour l'objet, c'est mieux. Pour la beauté du truc, et puis surtout parce que la cartouche, c'est plus résistant. Et aussi parce que, bon, ben, là, je pensais, mais je me suis trompé. On sait que normalement, les cartouches sur PC, etc., les cartes mémoire un petit peu de ce style, c'est de la mémoire flash. Et généralement, la mémoire flash, ça va très vite. Bon, attention, je vous le dis tout de suite, je suis pas bon en shmup, hein, moi, donc ça n'a jamais été mon style de jeu. Bien que j'en ai joué quelques-uns de très sympas, mais j'ai pas joué à. J'en connais pas à un millième de ce qui peut exister. Mais pour venir à ce que je disais, j'avais pensé qu'avec justement le fait d'avoir de la mémoire flash cartouche, le temps de chargement serait accéléré. Malheureusement, ils sont plus longs même que la concurrence aussi. Soit. Donc je dis, enfin, Nintendo, c'est un peu comme la Wii, ça cartonne. La Switch, même si maintenant avec le problème du coronavirus, on voit qu'au Japon, les ventes pourraient être plus élevées, mais ils commencent tous à manquer de stock, et c'est ce qui est embêtant pour Nintendo. Donc, main menu dont je vous ai montré ici, Gunbird, et voici Gunbird 2, Gunbarish. Je pense pas que vous allez avoir de toute façon un saut générationnel extraordinaire, et vous allez le voir tout de suite, puisqu'on se retrouve, moi je vais reprendre Marion. On se retrouve avec quelque chose de très 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 similaire. Ça ne fait absolument aucun doute. Ça n'enlève pas le plaisir. Mais je vous dis franchement, on aurait préféré quand même des choses, des options facilitant le jeu. Je prends par exemple un jeu qui va bientôt sortir, auquel j'ai déjà accès, qui est le Megaman ZZX là, de Capcom. Ils ont quand même fait un système débutant avec un système de sauvegarde automatique par zone. Enfin voilà, ici on a vraiment, on va dire, de l'émulation. Si c'était une virtual console, ça pouvait être pareil quoi. Gunbarish maintenant, alors lui il a la particularité, Gunbarish, de reprendre un personnage comme Marion, etc. qu'on voit dans Gunbird, mais c'est pas un shmup. C'est un Alloway, comme je dis, puisque c'est pour ceux qui se souviennent de ça sur Game Boy par exemple, etc. Si je me souviens bien, vous avez donc un genre de flipper et vous devez toucher les. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est. Voilà, c'est essayer de faire le score, etc. le mieux. Dans un style de jeu, on va dire un petit peu chronophage, parce que c'est vrai que quand on joue à ce genre de jeu, bah, c'est terminé. Ah ! On ne sait pas s'arrêter. C'est les jeux les plus débiles et les plus simples qui sont toujours les plus amusants. Et si je reviens justement à l'époque Game Boy, première Game Boy qui est pour moi. Tellement de souvenirs, le jeu que j'ai le plus joué de ma vie, ben, c'est Tetris et Alloway. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le genre de jeu pas prise de tête. Alors certes, aujourd'hui on en rigolerait, mais à l'époque on était bien content d'avoir ça. Donc on va sûrement pas faire les emmerdeurs. Oui, allez. Non, ici j'aurais pas le rebond. Tu fais par contre trop de vitesse un petit peu comme ça, ça peut repartir. Voilà. Là, cette merde, je l'ai raté. Non! Bon, là, ici, je peux repartir de base, donc normalement, il y a moyen. Voilà. Genre multi. C'est vu, c'est tout vu. Jeu suivant. Alors, Samurai Aces. Et là, ben. Vous voyez, c'est de nouveau, bon, c'est... Il y a le cachet, hein, il y a l'amour du style de jeu, il y a le cachet, il y a tout ça, et puis c'est, voilà, ce sont des grandes licences du shmup, Psycho étant quelque chose de... une marque très appréciée. Mais, je vais vous montrer les autres, vous attendez pas à des miracles, hein.
On va sur Tengai. Qui lui est un plus grand, hein. Donc lui, bah, évidemment, c'est normal parce que le style veut que ce soit ainsi. Mais là, par contre, j'aime bien parce que je trouve que le cachet est terrible. Le placement des boutons ici est moins bien imaginé. Est-ce que j'ai pas regardé mes contrôleurs settings? Ah, on peut changer, ça va. Tant mieux. Ouais, je vais pas m'amuser à changer, mais on peut. Power-up. Donc voilà Tengai, et voici donc en dernier sur le main menu A6-3 qu'on va aller voir. Voilà donc SM1 A6-3. Donc après la sélection, bah, Alpha Bravo ici évidemment, c'est vous en fonction de ce que vous voulez acheter. Moi je n'ai reçu que celui-là. Et c'est pas spécialement que je l'ai demandé, mais c'était une bonne occasion de voir si le travail était réussi ou pas. Alors là, par contre, ça a salement mal vieilli. Hein. Vive la 3D, les décors. Bon, le perso a toujours la classe, mais ça a salement mal vieilli. Là, 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 là. Franchement, voilà, c'est une compile qui se laisse jouer, voilà, j'ai envie de dire. Mais pour le prix, finalement, est-ce que l'intérêt est là? Oui, pour la version boîte, elle est magnifique, elle est collector. Pour la version des maths, oubliez. Il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'ajout pour des Z d'aujourd'hui. Je pense que malgré tout, les joueurs d'aujourd'hui sur Switch ne sont pas les joueurs d'hier. Sur les autres consoles, les fans de la première heure des jeux Psycho vont peut-être aller sur les consoles originales et aller jouer à l'ancienne avec la manette, etc. Le stick arcade, que sais-je. Que de repasser à la caisse pour ça, finalement. Alors, si on veut toucher un public, si Agnès America veut toucher un public plus actuel avec ça, l'objet est beau dans le commerce, mais c'est pas ça qui fera vendre des camions de ce jeu. Ou alors, il aurait fallu un prix adapté sur le store et on revient au problème de l'eShop. Avec des jeux souvent inférieurs, souvent plus chers, sans raison. Soit. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Il faudra en parler à Nintendo. Sur ce, moi je vous embrasse, je vous souhaite bah, tout le meilleur. Moins d'un quart d'heure ensemble, mais c'était suffisant pour voir. Par contre, dans les prochaines vidéos, on ira voir Rune Factory 4 spéciale que j'ai depuis quand même quelques semaines et que j'ai pas encore fait en vidéo. J'ai le droit de faire une preview, mais qui arrive dans quelques jours. Donc voilà, pour les prochaines previews, Langrisser 1 et 2, chez Agnès America. Et puis d'autres titres, Warrior Orochi 4 Ultimate. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les autres présentations? Hunt Showdown, il y aura dans sa version finale, il y aura les Yakuza sur Xbox One. Donc beaucoup de contenu sur la chaîne, mais bien évidemment aussi les reviews écrites sur le site web. Les petits loups, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, ben, de vous abonner. Sur Sienplay, aux trois chaînes, mais aussi regardez les autres vidéos, commentez, likez et vous abonnez sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.